Eh bien, salut tout le monde, c'est Sansolid des journées de toute nouvelle vidéo. Les gars, je vous remercie du fond du cœur. On a fait plus de 30 abos sur une vidéo, on a dépassé le cap des 600 abonnés. Franchement, vous êtes incroyablement magnifique, musclé, beau, tout. Vous êtes perfectionniste. J'ai pas les mots, franchement, merci à tous. Du coup, je vous affiche les deux vainqueurs du concours précédent actuellement à l'écran. Du coup, vous rejoignez mon Discord en commentaire épinglé et vous faites un ticket pour récupérer votre lot. De toute façon, le premier qui fera un ticket, le premier gagnera un cookie shiny et le deuxième gagnera les deux Pokémon shiny. Du coup, pour cet épisode-là, je vais gagner trois vainqueurs. Du coup, il y a un mec qui gagnera Meowth shiny, l'autre qui gagnera Melancholux shiny et l'autre Papaour shiny. Voilà, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Et franchement, abonnez-vous, likez, partagez au max. Cette vidéo elle est incroyable. Merci à tous les gars, merci du soutien. Je vous aime tous, c'était Zen et bisous les amis. Oh mon dieu les gars, pour la première séquence, je vous mets la rediffusion d'un live un petit moment, même si la qualité est pas ouf. Les gars, je suis un noob sur Pixelmon et j'ai fait la pire erreur. Même mon chat m'a dit à ce moment-là, Zen kiffe le combat et tout. De toute façon, vous allez voir, j'ai tué un légendaire sans faire exprès parce que je suis un gros noob. Et franchement, même le jour d'aujourd'hui, je suis énormément triste. Mais bon, c'est la vie, on fait tous des erreurs et franchement, bah rip le Pokémon légendaire. Le problème, je peux pas attaquer parce que mon Pokémon est trop frais. Je suis one shot. Bah là, on essaie de capturer un Latias légendaire, mais j'ai pas d'Hyper Ball sur moi. Et il est pris des. Oh, il s'est pris des dégâts tout seul, c'est bien ça. Évite de te tuer, s'il te plaît. Oh là là, je vais péter mon crâne. Hein. Ouais, mais il se fait des dégâts encore tout seul. Oh, oh, je vais péter mon crâne, je vais péter. Mais il va se tuer tout seul. Hein. Mais il a 4% d'HP. Vas-y, je joue plus, enfin, j'ai même plus où jouer. Mon dieu, vous voyez ce Pokémon, Meltan? Eh oui, les amis, on a su le capturer. On en a eu 3-4 avec le four, hein, parce qu'on a ce Pokémon en fondant du cuir, du cuir, hein, du fer, pardon. Et franchement, il est plutôt badass en vrai, il est plutôt stylé. Bon, il a pas vraiment une tête, hein, on peut pas trop voir ce qu'il voit. Mais franchement, les gars, on a plutôt pas mal de chance pour en avoir plusieurs. Et je vous laisse la séquence. Franchement, c'était plutôt caliente. Franchement, c'est bien. Et grâce de ça, on a eu un Meltan, en fait, qui était un Métamorph, un Ditto. Et j'ai pu l'échanger en Pokémon le Shiny. Mon Pokémon préféré. C'est peut-être pas rentable, je le sais bien. Mais c'est mon Pokémon préféré. Du coup, je voulais en Shiny absolument. Du coup, voilà. Il est là, mon petit singe. Et je suis très heureux d'avoir eu cette chance de pouvoir échanger un Métamorph contre un Pokémon Shiny. Voilà. A few moments later. Moi les gars, vous croyez vraiment que j'allais mettre qu'une séquence? Non, non, non. Je ne crois pas. Je vais vous mettre les deux séquences pour bien prouver qu'on a plusieurs Meltan. Et franchement, ma journée était refaite ce soir-là. En plus, on était raid en stream et tout par des streamers de Pixelmon et même par des petits personnes qui passaient sur live. C'était des excellentes soirées sur Pixelmon, etc. Franchement, rejoignez-nous sur Twitch tous les soirs en live à partir de 19h30 ou 20h approximativement. Mais bon, franchement, les gars, un Twitch, c'est quand même un univers incroyable. Et franchement, les gars, rejoignez-nous. Franchement, découvrez par vous-même l'amour qu'il y a sur Twitch. Aussi pas oublier le moment du trading.
comme les grands influenceurs qui font des pubs à la con à propos du trading. Ah, ça n'a aucun rapport, mais franchement, les gars, fallait que je vous laisse la séquence parce que je suis vraiment perdu, hein. Et en fait, il m'avait proposé deux Pokémon et franchement, j'ai même pas compris ce qu'il m'avait dit à ce moment-là. On dirait des fois, je bois 10 litres de whisky sur une soirée, c'est aberrant. Comment mon cerveau ne réfléchit pas deux fois. C'était vraiment archi fun. Vous devez voir ça. Ah là là, on commence vraiment à avoir notre belle petite team là. Franchement, il y a juste l'insécateur, le sociable que. Pourquoi il s'appelle un sécateur? Bref, je n'ai aucune idée, mais lui, je dois encore changer. Mais j'ai mon petit. J'ai un peu en feu shiny, j'ai mon petit. Oula, oula, pourquoi il y a un nom bizarre? Hashtag André, si vous n'êtes pas sur les lives. La grâce de André, on a pu acheter notre Lugia qui a 90 IVS, IVS slot 2, 85. Franchement, c'est incroyable. Merci André sur le live qui m'avait passé les 15K qui nous manquaient pour acheter le Lugia. Après, il y a le petit Kangoo. Quoi? Ouais. Après, notre petit Aqualie. Franchement, les gars, il commence. C'est pas la meilleure team, ça, tout quoi, mais c'est vraiment les Pokémon que je kiffe. À part le sécateur, bon, même si je le kiffe énormément, mais c'est pas un Poké que je vais garder dans ma team. Là, franchement, il manque juste un autre type que j'aimerais mettre dedans. Juste pour lui pas, vous reverrez ça de toute façon par la suite. Mais franchement, je commence à avoir notre belle petite team. Alors, les gars, franchement, on en rencontre des problèmes sur Pixel Mana. De base, hop, attendez, on va faire ça. Tac, on va prendre notre petit œuf. Parce que oui. Si vous savez pas sur Pixelmon, vous pouvez faire des bébés. Du coup, bah, ça couple là. Et là, de même. Bien sûr, chaque Pokémon, vous faites slash PWiki et non du Pokémon en anglais pour avoir l'information du breeding, du coup, de le raccouplement, les blocs qu'il faut. Mais on voulait faire un genre de range pour les breeding vraiment stylé. Ça prend tellement de place. Vous imaginez, regardez le nombre d'espaces. Du coup, bah voilà, là, on va essayer d'en mettre un au milieu et bien. De mettre tous les extends range en avant et en arrière pour utiliser toute cette place, mais là pour l'instant on n'a que 3 ranges. Alors, faut appeler ça comme vous voulez, bref. Là aussi, les gars, on a enfin réussi à enlever toute cette montagne. Et là, on a voulu franchement faire une arène et j'ai jamais eu envie de la finir et j'ai vraiment la flemme. Et je suis vraiment pas un bon build parce qu'on vous fait slash des town, je pense. Non, c'était, je sais plus. Bref, on a un builder pro dans notre équipe qui sait bien faire des belles maisons, des belles bâtiments. Franchement, il fait des choses plutôt propres. Et ça se voit aussi à sa maison. Il sait vraiment bien build. Faudrait que vous voyez, on l'envoyait 3000 messages de motivation pour qu'il finisse l'arène. Mais franchement, parce que moi j'ai la flemme, je sais vraiment pas build à son niveau. Mais voilà, en tout cas, on a au moins fini la montagne. On a commencé à faire les petits breeding. Franchement, on avance très très bien. On commence à avoir tout ce qu'on voulait sur la Pixelmon. On a nos stuff de Tundra, etc. Bon, je l'ai déjà montré. Juste après cette séquence, je vais vous montrer, si vous êtes nouveau sans savoir, des petits conseils aussi pour vous faire masse XP, de thunes, etc. Et voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Hein. Je vous montre un peu tout et un bisous les amis. Hein. C'était Cyan. Hein. Un petit conseil à vous donner avant de vous laisser sur la vidéo, les gars. Vous faites slash warp, hop, tac, et là vous avez votre daily battle. C'est une arène quotidienne que vous pouvez le faire tous les jours. Et franchement, à chaque dresseur que vous tuez, vous gagnez des points dans le daily battle. Vous voyez en bas vos points, vous avez 19, bon, j'en ai 19. En gros, vous voyez, on peut acheter des clés combat, des clés, bref, on peut acheter plein de choses. Et franchement, au plus que vous montez, je pense, au plus d'XP vous fera. Et en plus, il donne de la thune, etc. Franchement, faites votre daily battle. Aussi, petit conseil, c'est des conseils cons, hein, mais franchement, prenez compte et faites-les, c'est très important. Ça vous aidera beaucoup. Je donne des tips, mais je sais pas parler français. Moi, le premier conseil que je dois prendre, c'est parler français et apprendre la langue française ou français. J'en sais rien, il est 4h du matin, ne comptez plus sur moi pour avoir un truc. Voilà, je sais même plus parler, je sais même plus articuler. Bref, et aussi, vous êtes dans l'aventure, vous avez dans le monde aventure et faites vos quêtes, etc.
Franchement, c'est plutôt rentable. Du coup, pour la première quête, si vous êtes nouveau, vous êtes dans le monde aventure, vous voyez la première quête, Reaper Team Rocket. Vous allez ici, tac, vous sautez. Bon, vous allez tout droit, normalement, si je me rappelle bien. Tac, 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 tac. Vous longez l'eau, tac, tac. Tac, tac, tac. Pourquoi je dis tac, tac? Je suis tic-tac, moi, quoi. Voilà, vous continuez à suivre la montagne. Tac. Voilà, d'un coup, vous avez le repère de la team Rocketos. Voilà. Et si vous pouvez battre plein de PNJ, vous voyez, niveau 39, 32, etc. Bon, je l'ai déjà fait, c'est une fois par jour. Mais franchement, ça vous donne beaucoup d'XP, faites-le. C'est plutôt rentable. Voilà, petit tips de la journée. Du coup les gars, c'était Sayan, moi je vous laisse encore une belle soirée, bisous à tous, c'était Sayan.